loin à mon porte-parole du PS. Le président de la République veut nous faire croire qu'il est le champion de la cause des ouvriers, de la cause industrielle. En réalité, en raison des choix politiques qui ont été faits, nous sommes aujourd'hui, nous devons rentrer, hélas, dans un véritable hiver industriel, dans un véritable processus de destruction de l'emploi industriel. Ce mirage des usines sans ouvriers, l'économie du tout service, ça c'était le choix politique qui était celui de la droite. Je voudrais juste rappeler que François Hollande, lui, s'est engagé sous ce qui sera son mandat à partir de l'année prochaine, à renouer avec le patriotisme industriel. Le patriotisme industriel, c'est quoi? C'est le principe selon lequel il est beaucoup plus juste socialement, beaucoup plus juste sur le plan environnemental, et bien de produire ici ce que l'on achète ici. Nous n'avons pas du tout l'intention de laisser à Nicolas Sarkozy un terrain sur lequel il n'a encore moins que sur tous les autres de légitimité à parler. Propos recueillis par Florent.